Que l'on soit de conditions modestes ou issu de familles nantis ou aisées, comme on le dit, ce produit, on l'a connu. Quelles que soient les circonstances de la vie, on a connu ce produit. Il est notre produit à nous, il est local, il est même très développé dans notre pays. Nous voulons parler ce matin du gari. Le gari béninois a plusieurs variétés. Selon l'usage qu'on veut en faire, on choisit la qualité qui correspond donc à cet usage-là. Mais aujourd'hui, mesdames, messieurs, depuis quelques jours, les Béninois ont découvert tout simplement comme ça qu'il y a du gari qui viendrait de la Chine ou du gari fabriqué par des Chinois sur le continent africain. S'ils se sont installés dans un autre pays pas très loin d'ici, venir s'installer au Bénin ne serait donc pas utopique. D'ailleurs, ils fabriquent du sodabi à partir du manioc et nous en consommons ici au Bénin. De là à faire du gari, les Chinois n'auront qu'un pas à faire ici localement. Le gari béninois pourra-t-il résister à la concurrence de l'avènement du gari chinois? Mesdames, messieurs, le problème est sur le tapis et puisque nous sommes une chaîne de développement, nous avons décidé donc d'aborder la question ce matin pour savoir avec les acteurs du gari béninois quelle politique mettre en place pour éviter l'invasion annoncée du gari chinois et comment les pouvoirs publics peuvent les accompagner. Heureuse d'Anodé, nous avons deux invités déjà sur ce plateau. Tout à fait, nous avons deux personnes ressources. Une productrice de gari qui répond au nom de Agathe Kapuchichi. Merci d'être là, madame. Bonjour. Merci. Bonjour. En face de vous, nous avons un producteur exportateur du gari, monsieur Modeste Zosso. Bonjour, merci d'être là. Bonjour, madame. Bienvenue dans votre maison. Merci, merci. Connaisseur qu'on est, hein? Ah, on, oui, on comprend à demi-mot. Ah oui, on comprend à demi-mot. Alors, au téléphone, nous aurons un économiste qui va aborder la thématique avec nous, Jacques Dossiovo, il s'appelle. Et voilà le décor qui est planté. Mesdames, messieurs, le gari béninois se voit menacé entre griffes. Est-ce que c'est vraiment une menace? Est-ce que l'invasion aura lieu ou bien nous nous inquiétons pour rien? On va en parler justement sur ce plateau. Madame Agathe Kapuchichi, nous allons démarrer avec vous. Vous êtes productrice du gari. Quand on parle de gari, vous êtes l'une des voix les plus autorisées pour en parler. Alors, quand on prend le gari béninois, quelle est sa situation aujourd'hui? Merci, monsieur le journaliste. Quand on prend le gari béninois aujourd'hui, je ne peux pas dire que c'est en voie de disparition, mais je peux vous dire que c'est la matière première qui est en train de poser le problème. Le manioc. Le manioc. Le manioc. Comment est-ce que le manioc pose le problème du gari? La production du manioc est en train de diminuer au niveau des producteurs. Ah oui? Ouais. Pour quelle raison? Parce que les producteurs ont, ils ont préféré produire le coton, soi-disant que le coton est plus rentable que le manioc. Le manioc. D'accord. Ah ouais? Donc. Et du coup, vous manquez de matières premières pour faire du gari. Oui. Mais dans ces conditions, d'où viennent alors tous ces flots, tous ces camions de gari que, ou bâchés de gari que nous avons dans nos bâchés? Oui, c'est toujours dans le Bénin que viennent les camions. C'est toujours dans le Bénin. Mais la manière dont le Bénin va produire le gari en quantité, pas manque de la matière première, moi, je peux vous dire que ça, c'est pas encore... Ça a déjà agi sur vous, sur votre production? Sur notre production, parce que... C'est-à-dire que votre capacité de production aujourd'hui est en deçà de ce que vous faites, de ce que vous auriez pu faire s'il y avait la matière première? Oui, oui. On peut avoir des chiffres? Bon, moi, par exemple, d'abord, je suis de Savalou. Okay. Et je peux vous dire que c'est le capital de gari. Vous décrétez Savalou comme capital de gari. D'accord. Je suis fière parce que l'histoire de gari, ça vient de Savalou. On accepte pour le moment en attendant de découvrir d'autres capitales. Voilà. Donc, moi, j'ai une association, j'ai une coopérative. Et individuellement, je transforme le manioc. Je produis le manioc, je transforme le manioc. Mais je vais vous parler de ma production individuelle. Et avant, quand il y avait la matière première, moi seul, par
se mettre, parce que la qualité que moi je fais, et on ne peut pas travailler comme les autres transformatrices à cause de la finesse. Okay. Donc, pendant cet intervalle de 5 jours, et je peux faire 2 sacs de 100 kilos. Deux sacs de 100 kilos. Donc, disons, 200 kilogrammes en 5 jours. Voilà. Compte tenu de la qualité que vous produisez. Oui. S'il y avait la matière première. Mais aujourd'hui, quand vous rentrez dans Savalo, c'est très difficile pour nous d'en procurer le manioc, la matière première. Quand un producteur te veste un tricycle, je dis tricycle. Ce n'est plus les bâchés ? C'est plus le bâché. Wow. Un tricycle de manioc aujourd'hui, tu dois remettre à ce producteur 60 000 francs. Nom de Dieu. Wow. C'est quelque chose. Hein? C'est la matière première aujourd'hui qui fait que... Le gari est menacé. On va revenir à vous tout à l'heure. Mais monsieur Zosso, vous qui êtes producteur et exploitateur du gari en même temps, voilà la matière première, madame Capotiti vient de nous le décrire, est en train de manquer. Mais est-ce qu'il confirme déjà à son niveau? Vous l'avez constaté également chez vous? Ce fait? Eh bien, je confirme très bien ce qu'elle a dit. Ah. La matière première devient très rare. Rare carrément. Ce n'est plus un manque. Le manioc n'est plus cultivé comme auparavant. Wow. Et bon, cela peut s'expliquer sur plusieurs plans. Hein. Hein? D'abord, il y a la raison principale évoquée déjà par madame, les cultivateurs préfèrent faire du coton. À part cette raison, quelle autre bon, raison? Évidemment, bon, nous, on n'est pas à Savalou. Nous sommes dans le sud. OK. Et nous produisons un gari connu de tout le monde. Je ne veux pas me faire de la publicité, c'est le gari à Fidjou. Même si vous la faites. Bon, merci beaucoup. Merci de me l'avoir conseillé. Donc, pour faire ce gari, je vous dis que nous y avions mis tous les soins possibles. Parce que, vous savez, le gari est un aliment nécessaire pour chaque famille, quelle que soit la classe. Au départ, c'était un aliment considéré comme pour les étudiants, pour les étudiants pauvres, les démunis. Oui, un besoin physiologique qu'il faut satisfaire. Donc, on retrouve le gari mais je vous dis que la haute autorité aujourd'hui, le gari, visite au président de la République pour voir s'il mange du gari. Non, il mange. C'est sûr qu'il va manger. Mais monsieur le président, on va devoir vérifier. Oui, le président Paté Salon, c'est un homme du terroir, n'est-ce pas, qui aime vraiment les aliments de terroir. Alors, mais pour faire votre gari, comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour avoir le manioc nécessaire pour la fabrication, la production du gari? Et satisfaire toute la clientèle. D'abord, il faut vous dire que dans notre zone où nous sommes installés, à Alada, pour avoir le manioc auparavant, nous avons mis en place un système d'approvisionnement à notre niveau. Nous avons des placiers qui démarchent des paysans, parce que c'est eux qui sont en contact avec les paysans qui ont des champs de manioc. Parce que nous n'avons pas le temps de parcourir les champs. Et donc, ce sont ces placiers qui viennent nous signaler qu'il y a tel champ à tel niveau, tel champ. Au départ, nous avions voulu mettre en place un système de partenariat avec les paysans pour qu'ils produisent la qualité de manioc dont nous avons besoin. Parce que vous voyez les maniocs dans les champs, mais tous ces maniocs n'ont pas les mêmes potentialités de production de gari. Okay. Oui, il y a par exemple le manioc herbé. Herbé, c'est le manioc qui est très amer. C'est ça. Très amer, mais très pourvoyeur de gari. De gari. Oui. Il y a le manioc, il y a l'espèce Ben 86 aussi, qui est très bien. Elle se voyait. Oui. Pour le gari toujours. Oui, ça c'est le gari et le tapioca. Ok. Se voyait. Donc, nous avions voulu développer un partenariat avec les paysans. Et ça n'a pas marché. Pour qu'ils ne produisent que c'est ce que nous voulons. Ok. Bon, mais vous savez, chacun a ses intérêts. Absolument. Quand vous signez un partenariat avec un paysan aujourd'hui qui trouve que il y a
une filière ananas qu'on est en train de développer dans la zone et qui va lui rapporter suffisamment. Plus que ce que vous lui proposez. Mais il laisse tomber votre manioc. Résultat, vous manquez donc, de matière. Résultat, les surfaces cultivées en manioc sont en train de se réduire de façon drastique. Wow. Si bien que le manioc, l'hectare de manioc, la tonne de manioc que nous achetions à 25 000, 40 000, aujourd'hui est à 80, 100 000. Oh, ça a doublé. Ah, non, même pas doublé, triplé, quadruplé. Parce que c'est rare, c'est très rare. Parce que c'est les surfaces cultivées qui sont en train d'être réduites. Mais à cette allure, on se demande comment les Chinois ont fait, s'ils sentent qu'on a du gari chinois, comment eux, ils font pour trouver le manioc et le produit en avoir. Ils en font chez eux, c'est ça? Bon, vous savez, depuis un moment, on parle du gari chinois. En avez-vous déjà rencontré? Non, je n'en ai pas rencontré. J'ai suivi ça sur les réseaux sociaux. Okay. C'est ça. Bon, au départ, j'ai pris ça comme un effet d'annonce. On a voulu envoyer un signal. Pour voir la réaction. Pour voir la réaction. Bon, la stratégie a marché parce que l'image là est sur chaque portable dans chaque famille. Il y a comme une atteinte à la fierté du Béninois de voir que son gari va être produit maintenant par quelqu'un d'autre. Exactement, exactement. Bon, il est vrai que ce n'est pas seulement le Bénin qui produit du gari. Ça, hein. C'est clair. Oui, hein? Oui, d'accord. Oui, tout à fait. Le Bénin produit son gari. Oui. Mais le Bénin a commencé par faire parler de son gari à l'extérieur. Okay. Et je suis très bien placé pour vous le dire. Et c'est d'ailleurs ça, pour ça que nous avons invité sur ce plateau. Oui. Dites-nous, quelle est la place du gari béninois dans l'exploitation des produits aujourd'hui? Ok. Vous savez, et lorsque vous voulez pénétrer un marché, ou bien vous voulez vous positionner sur un marché, il y a deux manières de faire. Soit vous avez de gros muscles, vous avez de très grandes capacités de production et vous y allez avec la quantité. Quand vous allez sur le marché avec la quantité, ne prenez plus garde pour la qualité. D'accord? Vous envahissez le marché avec la quantité simplement. Et là, vous pouvez baisser le prix comme vous le voulez. Vous voyez. Oui. Et là, la qualité n'est plus recherchée. Tout à fait. Donc, vous pouvez attaquer le marché par la quantité et peu de qualité, oui. Avec le prix, le prix qui va avec. Mais si vous n'avez pas une grosse capacité de production, ça c'est l'autre pan, vous y allez avec la qualité. Peu de quantité, mais la qualité. C'est ce qu'on appelle la qualité différentielle du produit. Tout à fait, avec un prix psychologique. Exactement. Lorsque vous allez avec la qualité différentielle, vous mettez le prix qu'il vous faut. Les gens vont acheter. Aujourd'hui, le Bénin se fait distinguer par la qualité de ses produits, de son gari. Il y a 5 à 6 ans, 8 ans, je vais dire, c'est le gari d'un pays voisin qui était connu. Oui. Mais depuis 5 à 6 ans, on recherche le gari du Bénin. Comment on recherche le riz thaïlandais au Bénin? Okay. Le gari du Bénin, on demande le gari du Bénin. À l'extérieur. À l'extérieur. Mais parce qu'on sait. Le gari du Bénin est comment? Parce que nous, on en consomme. C'est comment? Justement, parlons de la qualité. Monsieur Zosso, on va revenir vers vous tout à l'heure. Oui. Madame Capotici, on a entendu parler du Missé Gari. Et quand vous allez acheter le Missé Gari, le kilo. Le Missé Gari, le gari venant de Missé. Le Missé, c'est une localité de notre pays. Quand vous allez acheter le Missé Gari, vous déboursez autour de 800 francs, 700 francs, parfois même 1000 francs le kilo. Pendant que le gari ordinaire, le assorti ordinaire, à 400 francs aujourd'hui et parfois même 350-500. Alors, quand on voit un peu la différence et de ces prix-là et le positionnement psychologique que vous faites de ces produits, si le Chinois débarque avec la même qualité à peu près du gari et met le kilo à 150 francs, qu'est-ce qui va se passer? Merci, monsieur le journaliste. Vous venez de parler de Missé. Je viens de Missé. Ah, d'accord. Je suis de Missé. Je suis un bon mangeur de gari, apparemment. Je transforme le Missé gari. OK. Mon frère vient de parler de la qualité différentielle. Oui. Donc, c'est ça qui fait la valeur, le label de Missé. Et c'est ça qui fait le label du Bénin.
quand la qualité y est, il ne faut pas souhaiter avoir la quantité. Tu vas sur le marché avec la qualité, tu imposes le prix. Et c'est ce qui se passe à Misère chez nous. Voilà. Sur le marché, aujourd'hui, et par manque de manioc, le gari ordinaire, je vais dire, le gari Savalou, le gari sorti de Savalou, c'est à 400, 450 francs selon la qualité. Mais quand tu viens à Misère, tu veux ou pas, avec une petite poêle, c'est 6 000. Ah, tout simplement. Et vous trouvez quand même du bonheur. Oui. Les gens en prennent. Oui. N'est-ce pas? Mais est-ce qu'il n'y a pas une crainte? Vous avez exposé tantôt deux aspects. On apporte la quantité sans tenir compte de la qualité, avec le petit prix qui va avec, ou on apporte la qualité avec une petite quantité, avec le prix qui va avec. Mais est-ce que vous ne voyez pas que si réellement un gari chinois, un gari provenait de la Chine pour le Bénin, que ce serait plutôt la quantité qui va envahir le pays avec la plus petite, le plus petit prix, comme beaucoup parlent des articles chinois, parce qu'on dit c'est versé, mais la qualité n'y est pas. Est-ce que ce n'est pas le risque également pour qu'on pourrait... Pour les producteurs. Pour les producteurs ici. Cette question était venue à moi tout à l'heure par monsieur le journaliste. Envahissement du produit chinois, le gari chinois. Moi, je peux vous dire que le Bénin est très conscient. Le peuple béninois. Ce qui appartient aux Béninois, le Béninois n'aime pas lâcher. C'est tout comme si... Quand vous êtes, vous voyez des petits enfants en train de jouer, et l'autre sait que le ballon là, lui c'est pour, appartient. Voilà, et l'autre voulait lui arracher, je crois que ce ne serait pas difficile pour celui qui à qui il n'appartient pas. Non mais je suis d'accord avec cette métaphore de Enoïti aussi, il n'y a pas aussi que vous semblez dire. On est d'accord, mais quand vous mettez 5 jours pour faire 200 kg de gari, et qu'en une journée, le Chinois peut faire le même gari de la même qualité, en une journée, il peut faire 2000 sacs ou bien 2000 kg. Quelle place vous occupez en ce moment? Voilà, je vous remercie. Et c'est en cela que moi, j'exhorte le gouvernement béninois à amoindrir les difficultés de production et de transformation. Et je remercie en même temps le gouvernement pour le peu qu'il est en train de nous faire, pour nous les producteurs et les transformatrices. À travers les projets, le ministère de l'Agriculture, le peu qu'il est en train de faire. Mais tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Parce qu'aujourd'hui, les Chinois ont les moyens de techniques de transformation. Je vous donne un exemple. Nous, quand tu es allé à la recherche de la matière première, tu veux transformer le gari, tu es allé à la recherche de matière première, l'épulchage, c'est à la main. Oui. Lavage, c'est à la main. Tu vas râper, c'est à la main. Cuisson, c'est à la main. Il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de machine. Voilà, les matériels aujourd'hui qui sont fabriqués par nos équipementiers, je sais quoi. Oui, les équipementiers, voilà. Tout à fait. Les matériels qui sont fabriqués aujourd'hui n'ont pas la capacité de produire d'agir en grande quantité. Par contre, j'ai suivi une vidéo chinoise. Absolument. Que ils veulent transformer le gari. Le manioc en gari. Le manioc en gari. Il suffit simplement d'appuyer sur les boutons. Et puis c'est fini. Tu appuies sur le bouton, le manioc part. C'est travail de chaîne. Voilà, tu obtiens le gari à l'autre bout de la chaîne. À l'autre bout de la chaîne, qui est déjà en même temps conditionné encore par une autre machine. Mais nous, on est toujours à la main. Alors, monsieur Zosou, c'est pareil chez vous, avec votre transformation se fait encore à la main. Ou bien vous faites une industrialisation de la chose. Oui, bon, en fait, nous, il y a des pans de la production qui sont mécanisés et d'autres sont manuels. Parce qu'il faut dire que le manioc, la transformation du manioc est une activité pourvoyeuse de main-d'œuvre. Si vous voulez vraiment occuper les gens, lancez la production du gari. D'accord? Mais ce n'est pas une activité autant qui apporte assez de profit. Autant rentable. Autant rentable. Est-ce que vous voyez? Donc,
quand vous vous mettez dans la transformation du manioc, il y a des pôles qui sont de grands consommateurs de main-d'œuvre. C'est l'épluchage, c'est la cuisson. Nous, nous sommes en train d'aller vers la mécanisation de l'épluchage. Parce que nous n'avons pas de grands moyens. C'est ça. Nous ne sommes pas accompagnés. Donc, nous sommes en train d'aller vers la mécanisation de l'épluchage. La cuisson, nous n'envisageons pas sa mécanisation. Sa mécanisation pour le moment, parce que c'est là où la qualité différentielle se joue. C'est dans la cuisson. Si effectivement il y avait un gari chinois, prenez ça et prenez le gari du Bénin. Bon, le gari du Missé. Et je suis très content d'avoir fait connaissance de ma sœur. Nous, nous sommes là pour valoriser le gari de Missé. Oui, parce que ils ont caché ce label pendant longtemps. Vous n'allez pas nouer des partenariats comme sur ce plateau devant nous. Non, c'est pour plaisir. Et ça peut avoir de retombées aussi. Je ne vous coupe pas, d'accord. On va suivre l'avis de quelques Béninois, d'accord. Et on va revenir sur le problème de la mécanisation. J'ai même envie de dire de l'industrialisation. Nous sommes au 21e siècle. Mais avant, mesdames, messieurs, d'autres compatriotes ont donné leur point de vue sur la situation du gari chinois qui se prépare donc à envahir et à botter au dehors le gari béninois dans son propre pays. Si c'est chinois, on choisit de fabriquer l'un de nos produits chers au Bénin, c'est peut-être qu'ils ont vu l'importance de cet aliment, comme nous appelons le gari. Maintenant, est-ce qu'ils ne vont pas mettre des additifs? Parce que, premièrement, il faut produire le manioc. Et maintenant, comment ils ont fait? Comment ils se sont arrivés là? S'ils n'ont pas venu étudier ça au Bénin ici, alors nous devons beaucoup faire attention. Maintenant, le gari qu'ils sont en train de produire, est-ce que c'est la même qualité que ce que nous produisons ici? Maintenant, ils vont produire pour leur pays ou bien ils vont produire pour nous vendre ça encore? Bon, chinois, ils vont bien gari maintenant. Bon, ils vont bien gari maintenant. Il faut que l'État valorise ce secteur. Bon, quelque part, j'étais un peu déçu parce que nous savons qu'il y a certains entrepreneurs qui le font dans notre pays, mais avec pas mal de difficultés. Alors, des Chinois qui font des produits béninois et qui viendront certainement vendre ces produits-là encore en Afrique, je crois que c'est quelque chose qui est un peu gênant. Et que, bon, nos entrepreneurs ici, nos autorités, je crois que ça doit lever un déclic qui va plutôt amener les gens à réfléchir à comment mieux orienter la promotion de nos produits locaux. Actuellement, c'est à 375-400 francs la mesure. Donc l'État doit aider ceux-là pour que ces Chinois ne viennent pas se mêler à notre gari. Parce que c'est très cher pour nous. Nous savons que, un, le gari, les Européens achètent ça et ils préparent de nourriture à leurs bœufs. Et ça donne beaucoup de lait. Leur bœuf, oui, je sais, moi, quand j'avais travaillé au port, je savais parce que nous exportons ça en France, en Hollande. Je suis à 100% contre cela. Pourquoi? Parce que cela va tuer l'économie béninoise. Et ceux qui se débrouillent pour travailler, pour apporter la nourriture à la maison, qui vivent uniquement de la production du manioc, ne pourront plus subvenir aux besoins de leur famille. Nous voulons meilleur. Et nous avons vu les gens. Mais si nous allons nous
Notre État, notre ministre du Commerce, ministre de l'Agriculture, je leur demande de prendre conscience et d'appeler et les cultivateurs, négocier avec eux. Même si on peut transformer les champs de coton en champs de manioc, je suis d'accord. Et j'irai maintenant au village produire moi-même de manioc. Oui, c'est un challenge que nous allons faire contre ces Chinois-là. Et le mot est sorti. C'est un challenge. Le Béninois a donc un challenge à faire aujourd'hui. C'est vrai, nous sommes dans un pays libéral et on ne saurait interdire la concurrence. Non, notre émission ne vise pas à interdire la concurrence du gari chinois, mais plutôt comment fait y faire face. Alors, mais avant, Monsieur Zosso, vous aviez la parole. On va continuer avec vous, mais que pensez-vous des avis des Béninois rencontrés à Cotonou? Bon, pour la plupart, ils ont raison. Mm-hmm. Honnêtement, si vous êtes un opérateur économique, vous ne devez pas refuser la concurrence. Cherchez à affronter la concurrence. Mm-hmm. Qu'on le veuille ou pas, si effectivement il y avait un gari chinois ici, mm-hmm. Moi je dis c'est heureux. Mm-hmm. Parce que, oui, je dis que c'est heureux. C'est heureux parce que je suis heureux que les Chinois ne commencent pas à prendre du gari. Les Chinois ne commencent pas à consommer du gari. Si non, vous avez ils produisent, mais ça ne veut pas dire qu'ils consomment. Qu'ils consomment. Non, vous savez, mm-hmm. Le gari béninois ne commence pas à être exporté en Chine. Ah, d'accord. Ah oui. Et donc, les Chinois ne commencent pas à consommer du gari. Si on consomme du gari en Afrique, en Europe, aux États-Unis, mm-hmm. en Asie, mm-hmm. Donc, Ça veut dire que le gari devient un aliment international comme le pain mm-hmm. et le riz. Mm-hmm. Mais c'est les mêmes personnes que vous citez là qui voudront vous obliger à certifier votre propre gari et selon quelles normes justement? Oui, tout à fait. Vous savez, et dans la sous-région ouest africaine, oui. pour ne pas faire la grande gueule, hein, oui. dans la sous-région ouest africaine, c'est notre gari qui est le seul certifié suivant les normes internationales, okay. HACCP. Okay. Oui, c'est le gari à Fidjou. Okay. Oui, on a le certificat ici. Mm-hmm. Est-ce que vous voyez? Ça honore notre pays. Notre pays. Oui, c'est uniquement le Bénin qui a pu obtenir ça. Les autres pays ne se sont pas encore mis dans. Non. Okay. C'est le gari du Bénin et gari à Fidjou seul qui est. Donc. Lorsque vous constatez que la Chine rentre, par exemple, dans la consommation d'un produit comme le gari, mm-hmm. vous prenez ça comme une opportunité. D'accord ? Mm-hmm. Là où on est en train de vendre du Tigan, on est en train de vendre du Tivi, mm-hmm. on est en train de vendre du Védomé, mm-hmm. vous allez sur le marché avec votre Tigan. Mm-hmm. Vous avez une part de marché que vous allez rogner. Absolument vrai. Est-ce que vous voyez ? Mais dans ces conditions, il faut l'accompagnement des autorités publiques. Exactement, j'allais en venir. Voilà, j'allais en venir. De mécanisation, est-ce qu'on ne va pas y aller ? On ne peut pas aller à une industrialisation carrément en revoyant d'abord la disponibilité, la production de la matière première qu'est le manioc. Je vous dis mm-hmm. que nous avons des talents béninois qui ont pris de l'avance. Mm-hmm. Et ça, je remercie le président Patrice Talon et son gouvernement mm-hmm. qui sont en train d'accompagner ces jeunes. Nous travaillons régulièrement avec les jeunes à Tingan. Okay. Ce sont eux qui nous ont conçu et fabriqué la tamiseuse. Okay. Ce sont deux jeunes jumeaux révélés par l'ORTB. Exactement. Aussi, hein, ah oui, l'ORTB en a eu pour beaucoup de ces jeunes-là. Nous, notre gari, lorsque ça quitte la cuisson, il n'y a plus la main de l'homme qui rentre dedans jusqu'à l'ensachage. Ah, d'accord. Donc, nous avons automatisé cette partie-là. Mm-hmm. Ce qui nous reste à automatiser maintenant, c'est l'épluchage. Mm-hmm. Et nous sommes en train de travailler avec eux dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, parce que... je ne vous arrête pas, hein, mais je vais quand même poser cette question à Mme Kapochichi.
si aujourd'hui les Chinois en viennent à vouloir fabriquer du gari béninois, c'est que quelque part ils ont vu la valeur de cette matière, de ce produit-là, que peut-être les Béninois n'ont pas encore vu. Les Béninois n'accordent pas autant d'importance encore au gari, notamment à son exportation. Vous n'exportez pas encore le gari béninois, certainement, n'est-ce pas? Pas en tant que tel. Pas en tant que tel. Mm-hmm. Mais comment aujourd'hui pourrions-nous valoriser notre gari pour réellement que la concurrence soit vraiment... On ne dise voilà. pas après que c'est une concurrence déloyale. Merci, Madame la journaliste. Merci beaucoup. Comment valoriser le gari béninois? Oui. Et le gari béninois est allé à l'identification géographique. C'est le produit de mystère qu'on a choisi. C'est mon gari qu'on a choisi pour ce test. Mm-hmm. Et on a fait des formations sur formation. L'OAPI a eu la prise en charge de faire ce travail. Mm-hmm. Il y avait 7 produits. Mm-hmm. Il y a poivre de Pendja ou bien comment on appelle ça. On ne va pas les citer, ça ne nous concerne pas pour l'instant. Il y a l'huile d'Agonli, il y a le gari de Savalou, l'ananas de Dalada. Mm-hmm. Mais pour l'ananas, c'est sorti. Il reste pour le gari. La certification de gari coince. Oui. Pourquoi? Ça coince. Si le gouvernement béninois, l'État béninois peut faire mener la politique à labelliser ce produit qui est son patrimoine, qui est sa chose, si le Bénin arrivait à labelliser ce produit, moi je crois que la concurrence chinoise là, ça va. Mais en attendant de labelliser ce produit, vous avez commencé par dire que il y a eu une raréfaction inexplicable du manioc. Oui. Comment rendre le manioc disponible si les paysans choisissent de cultiver le coton? Voilà. Et si ce n'est pas s'ils choisissaient de produire, si on donnait l'occasion à chaque producteur de continuer, parce que la production du manioc était dans notre production, ce n'est pas que on va intégrer ça dans la production. Donc on va donner l'opportunité à ces producteurs de continuer en les finançant. S'il y a le financement. Parce qu'aujourd'hui, si on ne finance pas la production du manioc tel qu'on est en train de financer et l'acajou, et le riz, l'ananas, le coton, si le gouvernement ne s'intéresse pas à la production du manioc au Bénin, moi je crois que la concurrence chinoise va envahir le Bénin parce que les autres ont les moyens de production. Mm-hmm. Ils ont les moyens de production. D'accord. Madame Capuccici, on reste avec vous. Hein. En attendant, on fait une pause, mais on va écouter notre personne ressource ce matin. Il s'agit de l'économiste Jacques Dessouyovo. Monsieur Dessouyovo, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes en direct sur l'émission Nopiden et ce matin, nous parlons donc du gari béninois qui est à l'épreuve de la concurrence chinoise. Dites-nous, vous en tant qu'économiste, quelle place occupe la production du gari béninois dans l'économie de notre pays? Merci beaucoup. Et nous devons dire que la production du gari occupe une place très infime par rapport à la production nationale. Donc, à cet effet, nous ne pouvons pas tout de suite dire que le gari, en réalité, au Bénin, est une nourriture phare qui puisse nous amener à, dans une certaine mesure, s'en préoccuper autant. Ah bon? Voilà. Vous trouvez? Oui. Vous pensez puisque que... Oui. Vous n'êtes pas sans savoir que, comment dit-on, dans un passé récent où, je ne sais pas, le gari est réservé à une classe très basse, mm-hmm. Où c'est seulement dit que c'est les étudiants qui mangent du gari ou bien c'est les gens qui n'ont pas les moyens, les maçons, les menuisiers qui mangent ça. Mm-hmm. Vous voyez ça? Mm-hmm. Mm-hmm. Mais quand vous dites ça, au jour d'aujourd'hui, oui. le gari est oui. à 800 francs, le gari est à 1000 francs, le gari est à 500 francs, le bas prix, c'est 400 francs.
Oui. Vous pensez que c'est toujours les étudiants, les petits maçons, les menuisiers, la classe que vous citez là, qui peut sortir 4 000 francs pour acheter 10 kilos de galets, par exemple, à la maison? Ceci n'explique-t-il pas le fait que la classe de, de consommateurs de galets s'élargit et qu'il faut s'intéresser à ce produit? Justement, c'est pour cela que je vous disais que dans un passé récent, aujourd'hui, les choses sont en train d'évoluer. Il y a beaucoup de sortes de galets aujourd'hui au Bénin. Quand vous allez dans les supermarchés aujourd'hui, vous constatez qu'il y a diverses sortes de galets où il y a des sachets de galets où on met du lait, du sucre déjà fait, et puis on fait, même parfois on voit la télé qui font la publicité. Donc ça a dépassé déjà cette étape et ça est en train d'évoluer. Maintenant, par rapport à l'augmentation du prix du galets aujourd'hui, nous devons constater que plus la population augmente, plus on en demande plus. Mais les acteurs sur le plateau ce matin nous disent plutôt que l'augmentation du prix s'explique par la raréfaction de la matière première qu'est le manioc. Moi, je ne peux pas tout de suite affirmer ça. Puisque moi, je sais une chose. On peut tout dire, ce n'est pas seulement le gari. Les choses deviennent de plus en plus. Quand je prends le maïs aujourd'hui, avant, on savait à combien on prenait le maïs. Mais aujourd'hui, on sait à combien on le prend aujourd'hui. Mais monsieur Dessou, je ne vous arrête pas, mais aujourd'hui, les Chinois semblent s'intéresser au gari. Et quand ils vont mettre leur industrie à contribution, quel avenir voyez-vous pour le gari béninois? Bon, en tout cas, l'avenir pour le gari béninois semble être sombre. Simplement parce que, vu l'industrialisation dont dispose la Chine, et par rapport à nous qui ne disposons d'aucune machine pour pouvoir transformer à grande échelle, nous pouvons dire que nous n'avons pas assez d'avenir. Mais ce n'est pas encore tard. On peut toujours se rattraper. En quoi faisant, par exemple? Bon, en tout cas, au niveau des producteurs, c'est d'abord qu'ils se mettent ensemble. Ils peuvent se mettre ensemble. Ils se mettent ensemble pour former un groupe qui pourra, dans une certaine mesure, se pencher sur la question. Comment faire pour exporter maintenant notre gari? Maintenant, au niveau de l'État, l'État, pour peut-être aider la production locale, peut subventionner. D'accord. Vous voyez, si le gari chinois coûte 150 et que pour nous, coûte 300, si l'État subventionne 150 et que nous payons 150, nous allons préférer le nôtre que pour les Chinois. Ensuite, je pense qu'il faut maintenant que l'État s'intéresse, le gouvernement s'intéresse à la production de cette denrée en mettant, en tout cas, il y a déjà le Fonds national du développement agricole. Voilà, ça c'est déjà un pas. Moi, quand j'entends qu'ils ont déjà voté même un budget pour ce fonds, moi je crois qu'on est déjà en train d'arriver petit à petit. Vous voyez? Donc, on se penche sur la question et on industrialise désormais les producteurs, c'est-à-dire on leur dote des machines et on encourage la production. Il faut aussi encourager la production de la matière première qui est le manioc. Donc moi je crois que en agissant ainsi, ça pourrait quand même nous permettre d'être un peu à la hauteur de ce qui se passe. Monsieur Jacques Dessouvaux, je rappelle que vous êtes économiste. Merci d'être intervenu dans cette émission matinale. Nous vous souhaitons une bonne et agréable journée. Merci beaucoup, pareil à vous. Merci. Alors, Monsieur Zossou, on revient sur ce plateau. Dans quelques minutes, on va devoir clôturer. Si on doit préparer les producteurs, les exportateurs, les acteurs du gari béninois à la concurrence qui s'annonce, quelle attitude, quel outil doit-on mettre à leur disposition? Merci.
Et je vous dis, je vous explique rapidement ce que nous sommes en train de faire au niveau micro. Si cela peut connaître un agrandissement au niveau macro national, ce serait très bien. Et bon, malheureusement, celui qui nous accompagnait dans ce système, il n'est plus. C'est le feu docteur Dosoui François. Et il voulait mettre en place une sorte de plateforme. Les paysans n'ayant pas les moyens pour cultiver de vastes champs, nous autres producteurs, transformateurs, nous signons un contrat avec les paysans. Et ce contrat, les paysans le déposent auprès des microfinances qui avancent des fonds aux paysans. Pour emblaver de grandes surfaces. Pour emblaver de grandes surfaces. Lorsque les paysans emblavent de grandes surfaces, ils ont l'assurance que nous autres viendrons consommer leur production. Donc nous irons chercher leurs produits que nous transformons et nous développons un bon système commercial pour écouler l'ensemble des produits que nous aurions obtenus avec la matière première des paysans. Et quand nous vendons, nous allons maintenant payer les paysans, mais pas en leur remettant directement l'argent, mais en allant déposer les fonds sur le compte, des paysans dans les microfinances. Là, ils remboursent en même temps les crédits. Ont le temps de récupérer leurs fonds et de laisser le surplus aux paysans. Donc, c'est ce système que nous voulions mettre en place. Malheureusement, le consultant est décédé. Mais est-ce qu'il y a déjà peut déjà une association pour les producteurs, les acteurs de Gary, de chacun. Dans le domaine de la nana, de la cadeau, nous en avons, mais est-ce que chez vous, il y en a? Est-ce qu'il y a une fédération? Non, ou bien c'est juste des coopératives? Il y a une coopérative à Savalo, il y a une à Lada, une peut-être, je ne sais pas, à Tumi-Tumi. Quand est-ce que vous allez vous regrouper? Bon, malheureusement, il n'y a pas encore cette fédération. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça, Mme Capotici, selon vous? Ce n'est pas possible. C'est bien possible. Et moi, je peux vous dire qu'il y a une fédération. Oui. Monsieur Zosso. Oui, monsieur Zosso. Oui. Monsieur Zosso, si je... À écouter monsieur Zosso. Oui. Monsieur Zosso, lui, il est à haut niveau. OK. C'est ça. Il a une longueur d'avance sur les petits producteurs, vous voulez dire. Voilà. Moi, par exemple, je suis à la base. C'est ça. Je suis productrice. Vous avez votre champ de manioc? Non, ce n'est pas affaire de champ de manioc. Productrice, déjà, on sait que produire le manioc, c'est notre chose. C'est ça. C'est notre culture. Et il y avait une méthode de transformation. Nous sommes cette catégorie. Vous voulez conserver la pratique, la manière de faire entre-temps le gari, c'est ça? Ce n'est pas conservé. Même si tu vas conserver la pratique, il faut améliorer la pratique. Ce que je veux dire, tout à écouter M. Zosso, tout ce que lui il est en train de dire, c'est au sein de sa structure. Oui, il a dit, c'est au niveau micro, c'est vous clair. Il y a une fédération, ça, je ne comprends pas. Il y a une fédération. C'est quoi la fédération? Vous savez, aujourd'hui, avant le gari, produisait seulement, quand on dit gari, tout le monde pense à Savalo. Bon. Mais aujourd'hui, il y a l'extension, il y a la multiplication de la transformation du gari. Par exemple, avant, au nord, on ne produisait pas le gari, mais aujourd'hui, je crois que c'est la commune de Waké, qui est la première commune qui produit le gari. Et on est en coopérative. En fédération, je vais dire, il y a 21 communes. Ce n'est pas toutes les communes qui la culture de production de manioc. Mais là où il y a aujourd'hui la culture de production de manioc, il y a la fédération de ces producteurs. Et il y a la fédération des transformatrices. Et chaque commune a l'union. Il y a la fêtière de l'union communale. D'accord. Que ce soit union communale des producteurs, union communale des... Tout ceci est encouragé, mais le temps à la télé ne suffira pas pour l'exposer. Nous sommes malheureusement à la fin du débat. On va faire un dernier tour de table. Peut-être pour lire rapidement un de messages. Oui, malheureusement, le message qu'on devrait avoir, c'est plutôt le docteur, l'économiste qui s'est exprimé. Donc voilà. Allez, monsieur Zosou, si vous devriez conclure. C'est vrai, le temps ne suffit pas pour tout dire. Si vous devriez faire des propositions, vous avez déjà commencé par faire des propositions, si vous devriez conclure cet entretien, que diriez-vous? Je dirais que le gouvernement s'intéresse
à la filière manioc, parce que c'est une filière porteuse d'avenir. Okay. En aidant les producteurs, parce qu'ils emblavent de petites superficies, il est vrai, mais le taux de rentabilité aussi de ces superficies qu'ils emblavent est très réduit. C'est ça. Parce que plus ils vont en faire, plus ils pourront le... Voilà. Exactement. Donc, on n'a qu'à aider les producteurs, on n'a qu'à aider les transformateurs. Que vous êtes. Que nous sommes. Nous, nous avons besoin des machines. Mais nous n'avons pas les moyens pour acheter ces machines-là. Ouais. Non, on n'en a pas. Si donc, on peut nous préparer à affronter, préparons-nous plutôt à affronter la concurrence que de nous détourner de la concurrence et nous plaindre. D'accord. On ne peut pas se plaindre. Allez, il vaut mieux se préparer. Beaucoup, hein. Madame Capotiti, je rappelle que vous êtes venue tout droit comme ça de Savalou ce matin pour participer à cette émission. C'est nous qui vous remercions. Beaucoup. Mais avant de vous laisser partir, qu'est-ce que vous avez envie de dire au premier des Béninois? J'ai bien envie de le dire. Comme ça, nous avons dit que les consommateurs de Gary aussi, même si on n'a pas vérifié. OK, merci beaucoup. Au premier des Béninois, tel que lui-même, il a l'habitude de le dire qu'il est Savalois. S'il ne veut pas rester muet, voir sa chose partie, il n'a qu'à nous aider à lutter face à ce produit chinois qui est en train d'envahir le monde entier, je vais dire. En faisant quoi? L'État n'a qu'à nous aider à avoir la labellisation de ce produit. Après la labellisation, il n'a qu'à mettre un cadre de concertation de tous les acteurs de la filière manioc. On n'a qu'à installer un cadre, Monsieur Zosso l'a déjà dit, une plateforme pour la filière manioc. Afin de vous rassembler pour que ce produit puisse aller de l'avant. Voilà. Allez, Après ça, il y aura le financement, l'accompagnement de l'État. De l'État. Allez, merci beaucoup, Madame Capotiti. Le temps nous fait défaut, mais je crois que les autorités vous ont entendu ce matin. Question de développement oblige, et c'est la thématique justement de cette chaîne BB24. Mesdames et Messieurs, nous espérons avoir apporté une petite contribution donc à ce débat qui fait rage actuellement. Il vaut mieux se préparer pour la concurrence en mettant du gari de bonne qualité, labellisé béninois, à notre disposition et à la disposition de toutes les populations qui en consomment et à l'extérieur également. Nous, et dans un autre registre, très rapidement, il faut dire qu'il y a une vie encore après la retraite. Quand on voit M. Zosso sur ce plateau, il a été agent comptable de l'OATB. Il est en pleine forme. Mais je vous l'assure, été étonné de revoir le même visage. On n'a pas vendu la mèche. Oui, c'est un de nos doyens. Il a travaillé dans cette maison. Oui. Il est à la retraite, mais il est dans ses activités. Oui. Et le Seigneur lui a accordé une pleine forme. Monsieur Zosso, on vous souhaite encore beaucoup d'années. Vraiment. Et inonder le marché du gari béninois. Une autre retraite de la retraite. Voilà.